Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la carrière gardien. On va pas jouer, on va jouer les matchs, que les matchs de janvier, ça veut dire 16e de finale de Coupe de France, Lyon. Et si on passe pas les 16e de finale de Coupe de France, parce que vous le savez bien, moi ça ne me réussit pas les Coupes de France. Donc on y va. Et let's go. Ah bah. Non, bah c'est pas grave. Ça ne me réussit pas, moi, les Coupes de France. Hein, donc voilà. On va jouer les matchs que de janvier. Pour le moment, il y en a deux. Si on gagne en 16e de finale de Coupe de France, il y en aura trois. Maintenant, c'est l'heure On des fera choses sérieuses. C'est l'heure de le vérité. match de Décollage dans 16e. quelques secondes. Oui, je suis déjà fin février pour N'allez pas être la déçu ce carrière soir, attaquant. l'ambiance est exceptionnelle. Et on est arrivé à Benjamin égalité, hein. Dacheba pour vous faire vivre ce match Sachant avec que son carrière équipe attaquant, portée, on les était couleurs de beaucoup Paris loin, et beaucoup Monaco, loin. Voilà, le notamment français. Omar Da Fonseca. Et là. Et comme le dit Omar. Ouh, dans le dos de la défense là. Ouh, la parade. C'est dégagé. Et donc attention, corner. Un corner qui est bien ajusté. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Et très bonne intervention du gardien. Allez, nouvelle chance avec ce nouveau corner. Et un corner capté sans difficulté. Attention à cette action. Parade la magnifique. Ça y est, la première période arrive Bon. à son terme, direction les vestiaires. Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. On essaye de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Oh l'arrêt, le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien cette tête. Place à la démesure, à la virtuosité. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Et donc c'est terminé avec l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Pas de... Voilà, changement donc. Allez, la première période de ces prolongations qui commence à l'instant. Intervention là. Et voilà, c'est donc la mi-temps dans cette prolongation. Les deux équipes. Allez, changement donc. Le dénouement avec le coup d'envoi. Ah, il faut tirer maintenant, attention. Et une bonne intervention du gardien pour préserver le match nul. Un arrêt décisif à ce moment du match. Vers le point de pénalty. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Attention avec ce ballon dans les 18 mètres. C'est dangereux, mais finalement, c'est en corner. Il y a les passes décisives. Et les interventions décisives. Ouais, tranquille, le ballon est bien capté sur ce corner. Le centre dans la boîte, dans la surface de réparation. Et le but facile, parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. Enfin un but. Attendu jusqu'à la le coup de sifflet final, synonyme de délivrance pour cette équipe qui sera bien présente au prochain tour de la compétition. J'en ai marre, je gagnerai jamais cette foutue compétition. Putain, sérieux. Je désespère, j'ai envie de pleurer. Je suis pas du genre à pleurer, mais j'ai envie de pleurer. Non mais sérieux, putain.
Laissez-moi me crever en paix là. Le match qu'on attendait est sur le point de commencer. À quel genre de spectacle va-t-on assister? Est-ce qu'on va vibrer? Est-ce qu'on va être déçu? En tout cas, la Terre peut bien s'arrêter de tourner. Nous, on veut savoir ce qui va se passer. Nous faisons du football le plus beau de tous les langages, le plus merveilleux de tous les jeux. On va vivre ce grand rendez-vous pour quelques secondes. Bonsoir à toutes et à tous, atmosphère grandiose ici pour assister à cette affiche. Ici, Benjamin Da Silva. Et on lève la tête, là, peut-être un centre. À une sortie déterminée qui lui permet de bien capter le ballon. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Eh ben, dis donc. Côté, je suis saoulé parce que j'ai perdu à nouveau. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième. Mais c'est que la Coupe de France. À l'instant. Une possibilité, là, pour centrer. Attention à cette frappe. Un bon arrêt du gardien. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Un corner qui est bien ajusté. C'est dégagé. Aucun problème. Gardien était bien vigilant. Melvin Barr. Et c'est une frappe. Oh, le ballon là qui est repoussé. Et changement pour les deux équipes. La diatire est dans la surface. Ah, c'est un ballon bien renvoyé. Oui, bien défendu. Et il remporte son duel. Bien défendu. Et la frappe, et la belle parade là. C'est terminé, donc le coup de sifflet final. Et pour les Lyonnais, ça se termine donc avec un match nul. Effectivement. Bon. Bon les amis, comme promis, on va s'arrêter là. J'ai dit qu'on faisait que les matchs de janvier. Parce que voilà, j'ai plus trop le temps, je suis vraiment désolé. J'ai fait au maximum, bon, on tombe 8ème. Et bon, de toute façon, on n'a pas raté grand chose, on a fait que de la merde. Hein. Voilà. Donc les amis, j'espère que, bon, cette vidéo n'a pas été très intéressante. Hein, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un abonnement. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao les amis, à la prochaine.